Wow, c'est UB. C'est énorme. XX. Mais explique bien, maman, je comprends pas. Haluin mo ng haluin, huwag kang tumawa. Haluin mo, ano pa gusto mo explique? Oui, mais comment tu... Hallo, tu veux que tu ronges? On s'en fiche. Hallo. J'enlève comme ça? Oui. Ah, d'accord. Alain mo muna to. Ana, yung ano? Sabina. Ça, c'est un truc Pinoy. Lagay mo yung unun doon. Doon, doon dyan. Kunin mo yung ano doon. Tapos ilagay mo yan dyan. Tapos iputa lalagay mo dyan. Let's go! Heyo! This is Léa with an H. Et voici Mama. Hi! Aujourd'hui, welcome to this very excited challenge video. Yes. Où en fait, on va faire un dessert fini pain, mais pas n'importe comment, parce qu'on va faire un UB Ensaimada XXL. Yes. Ensaimada. Yes. Ensaimada, c'est un pain, un dessert fini pain très très populaire et que maman a fait pendant tout le confinement. Elle en a fait de toutes sortes, toutes les couleurs, tous les goûts. Maman, c'est la chef. Pour faire les Ensaimada. Yes. Et bien sûr, avec le pain boulangerie. Mm-hmm. Dizou. Dizou. Itlog. Itlog. Vanille. Vanilla. Huile. Mantica. Sel. Asin. Fromage. Queso. Beurre. Mantequilla. De lait. Gatas. Sucre. Du. Sucre. Azúcar. And of course, ube. Ube, c'est taro. Violet. En français. Ça vient de ça. Et là, regardez. On gratte. Y a c'est ça. Violet. C'est quand même une patate douce, mais à l'intérieur, c'est violet. It's purple. Tous les. Excuse-moi, j'ai oublié. Vas-y. Le plus important. Vas-y. La farine. Ah bah oui, la farine. Hein. Et oui, parce qu'en fait, ça, c'est un cours de pâtisserie. Hein, maman. Exactement. Donc, harina. Flour. Et voilà. Maman a mal à la tête, c'est bon, elle est fatiguée. Donc là on va préparer la pâte. 7 cups of flour. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. La farine. Voilà, donc là on a un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc medyo matagal po siya, pero kailangan ng konting tiyaga para pumaalis yung dumi kung meron pong dumi na natitira. Okay? On dirait de la neige. Wow! Lagay mo muna to. Ano, yung ano? Sabina. Ça, c'est un truc Pinoy. Lagay mo yung unun doon. Doon, doon dyan. Kunin mo yung ano doon. Tapos ilagay mo yan dyan. Tapos iputa lalagay mo dyan. Okay, second part. Okay, let's go. Mix it. Okay, ma? Yes, of course. C'est vrai? Ok, bon bah. Ok, do it. Comme ça, and juste. Yes. C'est bizarre la texture. C'est froid. Et il faut que je tourne comme ça. Bah oui. Oh, je t'ai dit. Pardon. Oh my god. Ouh, j'aime bien. C'est relaxant. Waouh, j'adore. Je comprends maintenant pourquoi t'aimes bien. J'ai des guilis en toi. Mais explique bien, maman, je comprends pas. Haluin mo ng haluin, huwag kang tumawa. Haluin mo, ano pa gusto mo explique? Oui, mais comment tu... Hallo, tu veux que tu ronges? On s'en fiche. Hallo. J'enlève comme ça? Oui. Ah, d'accord. Oula. Oula. Lalagyan po natin. Non, mais ça colle sur mes doigts, mais oui. C'est pas grave. Lalagyan po natin pa konti-konti. On dirait du sable mouvant et ça prend mes fingers, là. Et là, maman, on va faire comme ça. Là, ça va. C'est
c'est là où moi elle aime bien parce que elle est en mode rien à t'es cassé ou l'on y est rassé para mahirapan siya alam niya wow paano kumita ng pera. Ah non mais moi je fais pas ça hein. Et franchement tous les boulangers tout respect okay. Respect parce que ce que vous faites moi je pourrais jamais le faire. Quand tu mélanges comme ça, tu penses à quoi pour te... Hein? Tu penses que je peux pas dire ça matin, tu penses rien du tout. Ah bon, même pas genre... Non. Moi l'autre jour j'ai vu t'as tapé la pâte. Par un boxing punching ball. Ganou tenek. Mix mou le halo in mou. Alors ça fait quoi d'avoir une assistante? C'est bien. C'est une fois hein. Ils ont baissé ce lampoyan. So enjoy. Nil mou nil. Ça veut dire quoi nil? Bruh. Attends monte là-bas. Comme ça? No, 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 no. Oh, pardon. Oh, pardon, maman, je refais plus. Bon, les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je rigole. Guys, pour ma défense, je voulais pas du tout blesser maman, c'était pas le but. Au contraire, je voulais créer un instant marrant, unique, drôle, entre mère et fille. Tu sais, comme on voit dans les films, au milieu de la cuisine, ils sont en train de jeter de la farine, etc. C'est cute. Sauf que non, j'ai oublié que j'avais une daronne asiatique et que voilà, elle est sensible. Donc, bon, maintenant, vous allez voir comment je vais faire pour rattraper le coup et lui redonner le good mood et le sourire. Comment on fait après ? Bon, je suis mal barrée, hein. Yeah! Smile! Maman, regarde! Ok! Wow! C'est joli, hein? Wow, maman! Smile! Oh my god! C'est le Dragon Asian Mom Eyes. Yan po. Ayan po natin sa palanggana. Tada! Yan po ang XXL Ensamada! On va laisser reposer la pâte une heure pour qu'elle gonfle. La troisième partie, c'est la cuisson. L'ensama est sorti du four, so as you can see, il y a eu un petit incident là sur le côté, il est moins cuit parce qu'en fait, il fallait laisser plus longtemps comme c'est plus grand. Enfin bref, maintenant on va faire la last part, le dressing. Ube. Oh, ube. Ube. XX. C'est nous rara et nian. C'est Katiti. En plus, je lui ai dit, Katiti, j'arrive chez toi avec une grosse surprise. Elle m'a dit, ah bon? Est-ce que tu as déjà pensé à faire déjà la pâte en violet, maman? Tu mets le coloring. Oui. D'aller pour n'atteindre. Alors, le queso. Hein? Yes. On va mettre du fromage. Of course. Wow. Ah, mais ça, c'est du queso qu'on a acheté à... Oups, pardon. Qu'on a acheté à Dubaï. Comment tu fais avec ça? Faut mettre avec une cuillère. Oui, si tu veux. C'est toi qui décide. Ah, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je fais facile ça. Pour toi. Oula, vous allez m'expliquer, maman. Il va être choqué. Et voilà, j'ai réussi. Galena, alors maman, you're proud of me? Yes. Ah, decoration time.
A few moments later. Voilà. Le riz est impeccable. Tada! Wow, damn, ouvé. Il fait combien de kilos? Voilà, ta poste n'a pas ramé. On a fini le premier XXL Ensamada au Ubé. If you enjoyed, si cette vidéo vous a plu, just leave a thumbs up. Don't forget to subscribe. Abonnez-vous pour d'autres vidéos de la même sorte, du même genre et d'autres trucs fun. Enjoy. Donc merci. Merci. Salamat. Shukran et see ya. See you soon. Voilà, ça c'est une grosse surprise. Ok, bon bah voilà, cadeau, grosse surprise de maman et moi. Wow, c'est oubé. C'est énorme. C'est un Ensamada XXL. C'est plus un Ensamada le truc. XXXXL. Ouais, tada. On va goûter ce dessert. C'est un gâteau. Merci Léa, merci Kipa. Wow. Tada. Tada. C'est Ubé là qui change tout. La blanche elle est bonne. Ah ouais, t'aimes bien. Cool, c'est validé. Comment c'est immense. Bon bah là, petit déjeuner hein, pendant un mois.